Katanga just made Censor and Apathy look like silly, lost little schoolboys. Oh god, un gars! Et puis là, on compte faire pareil, sauf que cette fois-ci, on sera pas tout seul, quoi. Que devrais-je dire sur Gotaga, qu'on voit depuis des années au plus haut niveau de la scène française? This could be it, and it will be. It's just Gotaga, the last man standing. They're gonna go for a defuse. Prodigy with the cover. Yeah. Oh, Gotaga takes him down. 15 seconds. It's gonna be all up to Gotaga now. There we go. Gotaga picks it up. Three man. Oh, and he's gonna be able to take out Agony. Oh, it's all up to Gotaga. Oh, this is gonna happen. And Gotaga. Oh, he picks it up with three men in the last second. Around the corner. And looking at the mini-map, you're going to see J-Cap get himself in position up top. You got Brewery also watching the flank. They're going to force their opponents to go to the bomb site, and J-Cap will be spotted. Both players from AA pushing in. Can J-Cap dip and duck? He gets help from Gotaga Brewery. Gotaga with two! Oh my god, Gotaga! He gets the fuse, and it's going to be 5-4. AAA getting pumped up. The French monster. Huge. Les Millennium qui sont sur le point de reprendre le lead. Le conflit qui est fait par Gotaga. Gotaga qui faut pas qu'il se monte, il fait le kill. Il va peut-être permettre à son équipe de gagner cette partie. Il reste seulement 2 secondes. Oh et là c'est finalement là. Fait. Les énorme. Joueurs, tout oh simplement. Là. Énorme ce qu'on a énorme. Vu là. Énorme. Tout simplement énorme. Le travail de carnage qui a été tout simplement énorme. Ça a pas suffi. À une seconde, on a vu Gotaga qui tout simplement fait le premier kill ici. Est-ce qu'il enchaîne? Tout simplement, il enchaîne le deuxième. Et derrière, je crois qu'il se fait kill. Mais ça a pas suffi au Millennium. C'est tout simplement monstrueux l'action de Gotaga. Il nous a sorti quelque chose tout simplement qui sauve la map là. Uh-oh. Got him! And that looked like a headshot to Gotaga! Me, but he's gonna get the body. Good shot there by the French player, Gotaga, able to pick up that snipe. After the answer is back, though, it's gonna be a 3v3. Gonna find him. Can he pin up the kill? No! That was awkward. Oh, those shots were everywhere, but what at the player. What is happening? Was that Apathy? Apathy and Censor. Gotaga, I'm sorry I left you. Get the ace, man. Get the ace! Oh. Gotaga with the ace! Winning the flag, it is this man right here. He takes down Mac and showing you exactly why I said that statement. Now, Gotaga, you're going to have to make sure he can't get shot in the back. Baiting out with like the late flag. Oh, he's going to get shot in the back here. Surely he's taking too long to get a winner. He's going to take that missile. Oh, Gotaga! Oh my god, he just turned on it! Très intense, ce premier point sur elle. Il balance déjà sa première stun sur la gauche, il récupère le point avec son MP7 qui monte sur le top rouge. Il n'hésite pas, et le premier qui l'est fait avec la camionnette qui vient d'exploser. Et c'est les joueurs du Vitality qui récupèrent les 6 premières secondes. Et les Vitality qui ont déjà commencé avec les premiers kills. Gotaga qu'on va faire, ça vient sur le premier duel. Gotaga qui est là, oh là là. Déjà, série de 3 pour Gotaga, il met le ton dans cette game. Gotaga qui est au niveau du bas, qui se doit de récupérer les points parce que là, oh là là. Zyler qui vient de se faire détruire en live. Too much flair. I think they have too much flair. I don't know what word to use of, but you know what I mean. I think sometimes they're a little bit too flashy. Yeah, try and show off a little bit too much. Please. Gotaga. Oh! What? That was... Okay, I've seen that attempted like 1,000 times. That's the first time I've ever seen anyone hit that. Rogue is activated! Did a fantastic recovery, 48 seconds left, 2 flags, you can see the stopwatch. This is not going to happen. Millennium are going to be going to LA. It does look like that, and like I said, they have pulled out all of the stops here. If we bring up the scoreboard, just for a quick look at the thing that we're going to do. On va aller! C'est fini! On va aller! On ne sort pas! C'est pas qui nous dit!
3, Vesiok qui fait un start en 7-2. C'est vraiment un énorme start. Il est en série 3, il vient de réaliser le triple kill. Il avait fait la différence tout à l'heure et plutôt que d'attendre que ses coéquipiers viennent pour le couvrir avec la ball, il tente de faire. Waouh. Apparemment, ça paye en uplink puisqu'actuellement, les boucs sont surdominés et inexistants dans cette carte. Surtout individuellement, on voit notamment du côté de Stars et d'Azox qui sont vraiment en difficulté. Gotaga encore avec 7 Kuda. Gotaga qui est en train de faire un vrai carnage avec un. Il est en 13-9 maintenant. 18-9, pardon. J'avais un petit peu de mal à lire de si loin. Maintenant 19 kills. Il va aller chercher le 20ème. Il reste en vie depuis tout à l'heure. Il va utiliser son armure cinétique pour tenter de continuer à slay. Et regarde, voilà Gotaga qui redébloque ça chez IVD. Oh god, les gars! Eh, Azox, il va avoir un kill sûrement à faire sur Xerox. Ça va être très important. Azox est toujours présent sur le HP, ça va être je pense terminé mathématiquement parlant. Les joueurs des Vitality sont donc champions de France. Un maximum de points pour votre champion de France. Oui. Ils sont sacrés désormais. Très très bien joué. Allez-y, allez pour vous. Oh, and this is close now. Mad Cat and Guitar going head to head with Sauz and Harley. PDW kill there from Harley. Madcat though, 11-2, does get taken out. Gotaga left in a 1v2. This is, oh, could be the final map. This bound one is really, really weak though. Gotaga's had to run away. Is he going to be able to take down Sauz? Sauz is going to have to go for a defuse very soon. Oh, he's under fire. Gotaga's just going to bait him out. He's not going to have time to get defused. He's out. Sauz is going for it. He's going to hit fire IMR kill, and there we have it. Wow. Season 2 of the EU Pro League, all done. Emphatic statement again from Millennium, 6-0 against IGI. Just unbelievable performance throughout the whole season from them. Oh yeah, and what a way to finish as well with a hit fire of an IMR. Great play by the Millennium guys. C'est fini!